Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce workshop qui est totalement dédié à la complete 13. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va commencer le workshop par un live. Vous voyez, j'ai déjà tout installé dans un setup assez simple avec juste un S88 et un laptop. Et donc, en bref, l'idée de ce live, c'était de mettre en scène mes 13 presets favoris de la Complete Ultimate et Collector Edition et de faire ça dans une compo qui traverse plusieurs styles musicaux. Et donc, comme tout est prêt, je pense que j'attaque direct par le live et après, je reviens avec vous pour vous détailler un petit peu tout ça, que vous voyez un petit peu comment j'ai procédé et vous donner quelques astuces sur les instruments virtuels que j'ai utilisés. Alors, à tout de suite. Thank you.
Et bien voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la session Logic avec laquelle j'ai travaillé et dans laquelle j'ai fait ma compo. Et je vais mettre mes ears pour que ça soit plus simple, pour bien entendre ce que je dis et les exemples que je donne. Et donc, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est simplement vous expliquer un petit peu les choses que je m'étais mis comme contraintes pour pouvoir faire cette compo, parce que évidemment, là, on travaille sur Complete Ultimate et Complete Collector Edition, qui est en fait la banque de sons la plus exhaustive du marché. La palette d'outils, d'instruments virtuels est hyper vaste. Et donc, il fallait que je réduise un petit peu ce champ d'action parce que sinon, j'allais me perdre avec tout ce que j'avais à disposition. Donc, la contrainte numéro 1, c'était d'utiliser simplement 13 presets pour la Complete 13. Vous avez compris le petit truc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était d'essayer autant que possible de remettre ces presets dans leur contexte, dans leur style musical. Et en sachant qu'évidemment, tous ces sons, tous ces instruments virtuels peuvent fonctionner dans plein de styles musicaux différents, mais j'ai essayé quand même de les mettre dans leur style musical. Et puis, la troisième chose, c'était de ne prendre uniquement que les nouveaux presets, c'est-à-dire ceux qui sont sortis depuis après la Complete 12 jusqu'à maintenant. Donc, c'est les 13 que je vais utiliser là. Il y en a d'autres hein, que je n'ai pas utilisés, mais moi, j'en ai pris 13 parmi ceux-là. Et puis, la dernière chose qui n'était pas des moindres aussi, c'est de faire en sorte que tout ça soit jouable en live. Et ça, donc, en fin de workshop, je vous expliquerai un petit peu, justement, rapidement, comment j'ai procédé. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, pour ça, je vais avoir aussi besoin de machines micro que j'avais, justement, à l'époque où j'ai fait ce morceau. Donc, je vais la connecter. Comme ça, on sera vraiment dans les mêmes conditions. Alors, la session est assez chargé, hein, puisqu'il y a au moins 13 complete control à l'intérieur de ma session, mais en fait, il y en a plus, parce qu'il y a des petites choses supplémentaires que je vais vous montrer. Alors, on va reprendre un petit peu toute cette session hein, que vous voyez à l'écran, voilà. Et je vais prendre tout simplement les sons dans l'ordre, mais je vous expliquerai, parce que certains n'ont pas été faits forcément dans cet ordre-là, justement, le premier, qui est Farlight, donc voilà, qui ressemble à ça. C'est celui que j'ai fait en dernier, parce que j'avais au final besoin d'un son qui lie un peu l'ensemble du morceau, puisqu'on va passer, comme vous l'avez entendu, d'un style musical à un autre. Donc j'avais besoin de quelque chose qui serve un peu de liant. Et donc j'avais bien aimé ce son au départ. Voilà, assez simple. Je reviendrai sur Farlight juste après. Mais j'ai cherché une combine pour faire en sorte que ce son dure tout le temps de la track sans avoir à appuyer sur la pédale de sustain parce que je l'utilise pour d'autres instruments, donc c'était ingérable. Donc, il m'est venu une idée, c'était d'utiliser une reverb qui par ailleurs est super pour faire plein de choses et qui a une fonction de freeze, c'est-à-dire que le signal entrant va pouvoir être gelé à l'instant T puis durer tant qu'on ne l'éteint pas. Donc, cette petite reverb, c'est Roam que je vais aller chercher ici. Voilà, je vais prendre un patch de base, ABCDEFGHI, voilà. Et donc, ici sur Roam, quand on va sur la troisième page, on a la fonction Freeze, que vous avez aussi à l'écran ici, avec le petit flocon, là, comme ça. Et donc, ça me permet de jouer ma note, d'activer le Freeze, c'est ce qu'on voit au tout début, et la note tient toute seule. Et ce qui est vachement pratique, finalement, dans ce système-là aussi, c'est que toutes les notes que je vais jouer maintenant ne rentreront pas dans le Freeze. Donc ça peut servir dans pas mal de configurations. Et en l'occurrence, ici, pour moi, c'était très pratique d'avoir ça. Et donc, le son que j'utilise, c'est effectivement Farlight. Alors, je vais simplement enlever le freeze. Voilà, on a compris. Hop. Et donc, Farlight, c'est un instrument au format contact qui fonctionne comme Straylight qu'on va voir tout à l'heure et puis qui fonctionne d'une manière un petit peu similaire à pas mal d'autres, je pense au Play Series par exemple, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on a deux sources et ces deux sources vont pouvoir jouer simultanément ou vont pouvoir jouer l'une en priorité sur l'autre avec des systèmes de morphing. La différence avec les Play Series par exemple, c'est que ici on a donc deux samples et il y en a un qui est lu par un sampleur traditionnel, celui donc de droite. Si vous regardez en fait la tête de lecture défile comme ça normalement, et ici sur le côté gauche, la tête de lecture se balade de façon un petit peu anarchique comme ça, et c'est le principe du synthé granulaire qui est derrière,
C'est pour ça que cette couche s'appelle grain, parce que le synthé granulaire, justement, se déplace de façon aléatoire à l'intérieur d'un sample et va lire à différentes positions, à des vitesses différentes et des longueurs de sample différentes. Donc, du coup, on a ce son qui est toujours un petit peu évolutif, qui est en mouvement et qui est jamais, jamais fixe. Vous entendez pas mal de petites choses à l'intérieur. Et donc ça, c'était vraiment l'objet de partir sur quelque chose d'un peu vocal, parce que ce que j'ai fait en premier, c'est le son qui est juste après avec Mysteria. Et donc Mysteria, c'est vraiment du pur vocal. Donc c'est des chœurs qui ont été enregistrés dans un auditorium, plusieurs types de chœurs, plusieurs tailles de chœurs, jusqu'à des chœurs de chambre avec une dizaine de personnes, je crois, de mémoire. Et c'est vraiment dans une ambiance cinématique, musique à l'image, c'est ce que vous avez donc au début. J'ai un son très chœur traditionnel, mais ce qu'il propose en plus, c'est le fait d'avoir des choses qui vont participer un peu des FX. Finalement, on va avoir des cris, des bruits de gorge, des râles, ce genre de choses. Et donc, je m'en sers dans la transition avec le son typé un peu synthé de Straylight qui rentre juste après, donc en faisant ce genre de choses. Et juste avec ces deux potards, là ici je récupère des sons de cris avec des hauteurs qui sont plus tonales. Et là j'ai un bruit de râle d'air. Donc là, vous voyez que la présentation est un petit peu aussi comme on a vu Farlight tout à l'heure, c'est-à-dire on a un axe central qui nous permet effectivement d'avoir une action pour faire du morphing entre plusieurs paramètres ou plusieurs sources. Et là, en l'occurrence, dans Mysteria, on a quatre sources qui sont là. Enfin, on peut avoir jusqu'à quatre sources. Moi, j'en ai trois ici, mais on peut avoir jusqu'à quatre sources et on va se balader entre ces sources. Et donc, j'ai pris Farlight au début parce que c'était vraiment un instrument dédié aux voix, et comme Mysteria aussi, eh ben ça permettait que les deux puissent vraiment fonctionner ensemble. Donc voilà, ça c'est ma petite intro, et à la fin de l'intro, vous avez vu juste le fait ici de jouer sur le pad XY. On va beaucoup parler de ces axes XY en abscisse et en ordonnée, là, parce qu'il y a pas mal de sons qui fonctionnent comme ça. Ça m'a permis donc de faire une articulation pour passer à la partie suivante. Et dans la partie suivante, au début, j'avais dans l'idée d'utiliser Super 8. Et puis, je me suis dit que j'avais envie quand même, vu qu'on était dans quelque chose d'assez organique, avec des sons typés voix, orchestre, ce genre de choses, de rester voilà, dans des choses avec des samples. Et donc, j'ai pris Straylight et j'avais mis un preset de côté, parce que quand il y a des nouvelles banques de sons qui arrivent, je les écoute et puis je les mets de côté avec la petite étoile là, dans ma bibliothèque de mes presets favoris. Et donc, je voulais l'utiliser. Donc, c'est celui-là. Donc, moi, j'aimais bien ce son. Il y a effectivement un côté très synthé, comme ça. Mais en même temps, c'est fait avec du sample, puisque vous voyez derrière, c'est un cello arco, donc un violoncelle joué à l'archet, et donc qui passe dans un granulateur et qui donne ces timbres un petit peu particuliers. Et puis, il y avait besoin de faire évoluer un peu ce son dans le temps. Donc, il y a un filtre ici. Voilà, que je peux exagérer comme ça. Et donc, sur tout ce début, j'avais besoin d'ouvrir le filtre. Et donc, le truc, c'est que je me retrouve avec deux mains prises. Donc là, pour tourner le filtre en même temps, il fallait aussi trouver une combine. Donc la combine, elle se situe par terre. C'est ma pédale d'expression ici. Et sur les claviers Complete Control, les séries S, on a derrière deux entrées pour des pédales A et B qui peuvent faire absolument tous les messages MIDI que vous voulez. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des messages MIDI, mais la pédale de sustain souvent fait du message 64, du CC 64, et la pédale ici d'expression fait souvent du CC 11. Mais via l'application Complete Control, on peut leur demander de faire n'importe quoi. Donc moi, en l'occurrence, pour éviter que ça interfère avec d'autres banques de sons, j'ai mis ma pédale d'expression sur 31, qui ne gênait pas du tout, et je vais vous montrer le truc pour affecter le filtre. Donc le filtre, il est sur l'axe horizontal, comme ça, l'axe des X, et donc je vais dans mon master, ici, j'appuie tout simplement sur les X, ici, Learn, voilà, et je bouge ma pédale, et vous voyez que directement, ma pédale est affectée, vous voyez bien le CC numéro 31. Donc ça me permet comme ça d'avoir... le filtre...
et de le faire progresser. Donc, je vous fais écouter la transition et l'entrée de Straylight. Voilà, donc on a Arkis qui va arriver, voilà, ce petit son-là. Et en fait, j'avais décidé aussi, c'était pas une contrainte que je m'étais fixée au début, mais j'avais décidé en filigrane que dans ce morceau, il y aurait des petites couleurs d'orchestre par-ci par-là, que ce serait un petit peu mon petit fil rouge, quoi. Voilà, l'idée qu'il y ait toujours des couleurs orchestrales, des couleurs d'instruments acoustiques. Et donc Arkis, eh bien, c'est justement ça, c'est-à-dire que Arkis, parfait pour tout ce qui est musical image, underscoring, et choses de ce genre-là, mais avec des couleurs d'orchestre, mais au sens le plus large du terme, parce qu'on a de l'orchestre, des percussions, des instruments ethniques. Par exemple, dans ce preset-là, que vous entendez, on a un système d'empilement de trois couches. Il y a trois layers, layer 1, 2 et 3. Et donc ces couches, elles fonctionnent tout simplement, comme c'est souvent le cas avec beaucoup de librairies qui ont un gros potard au milieu. Vous avez vu que maintenant, en gros, souvent, on a soit un axe XY, soit un gros potard au milieu. C'est le cas aussi des Symphony Series, par exemple. Et en général, un des deux axes pour le XY, ou alors la molette qui tourne pour ce genre de formulation ici, se fait avec la molette de modulation. Et donc, je vais pouvoir passer d'une couche à l'autre, comme ça. Donc sur le même son, évoluer donc ici au départ j'ai des solo strings, puis après j'ai du hang drum, et puis après j'ai un orchestre de chambre complet. Le hang drum, pour information, c'est une petite boîte en métal sur laquelle on tape et qui fait des hauteurs. Donc avec un son évidemment métallique. Donc voilà, ce son peut évoluer comme ça entre les couches. Ici c'est pareil. Et aussi avec une chaîne d'effets. Elle est assez discrète, mais si vous écoutez au casque, vous allez l'entendre. Voilà. Donc, il se trouve que par rapport au live, avoir ça sur la molette de modulation, comme j'avais plein d'autres sons qui fonctionnaient avec ça, ça allait interférer, ça allait pas forcément être pratique. Alors, autre technique, comme celle qu'on a vue tout à l'heure pour la question de la pédale, ici, ben, c'est comment le faire avec n'importe quel contrôleur, que ce soit d'ailleurs un clavier complete contrôle ou pas. Tout simplement, on fait un clic droit sur le paramètre en question, Learn MIDI CC Automation, et on bouge. Donc moi, ici, je vais utiliser le touch strip. Dans le live, j'ai utilisé le touch strip. Voilà, je le refais. Hop, voilà. Et vous avez directement le touch strip qui permet de piloter ça. Donc j'ai utilisé assez basiquement, simplement, en bougeant comme ça. Voilà, pour faire du mouvement à l'intérieur de ce son-là. Mais il y a possibilité d'aller plus loin, je vous le montre en deux secondes. Il y a un LFO, donc un LFO, vous savez, c'est un oscillateur basse fréquence qui fait une certaine forme d'onde à une certaine vitesse et d'une certaine amplitude. Et en fait, on utilise simplement cette forme d'onde, cette vitesse et cette amplitude pour moduler un paramètre dans le temps. En gros, pour faire bouger un paramètre dans le temps. Donc ici, nous, ce qu'on va pouvoir faire bouger, c'est les FX ou les couches. Donc, par exemple, ici, je vais activer le fait que le LFO fasse moduler les FX, et vous allez voir que quand j'appuie sur une note, le paramètre des FX bouge. Alors je vais changer la vitesse, voilà, pour que ce soit plus clair. Voilà, on peut le faire aussi sur les couches, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est une petite chose aussi intéressante à mettre dans un coin de sa mémoire pour s'en servir le moment opportun. Et donc maintenant, on se dirige petit à petit vers la partie musique urbaine à tendance trap. En tout cas, le challenge pour moi, c'était d'essayer d'aller vraiment vers ce qui fait les caractéristiques de chacun de ces styles. Et pour faire ça, j'ai longtemps hésité, j'ai pris Mallet Flux, parce que comme je vous ai dit, l'idée c'est toujours d'avoir une petite couleur orchestrale en quelque part, et Mallet Flux, bah, ce sont des instruments à maillotche, mallette-maillotche, et donc on trouve le glockenspiel, le vibraphone, le xylophone, le marimba, et j'en oublie un, je ne sais plus lequel, mais ça va me revenir.
Et donc, j'ai longtemps hésité parce que comme on allait vers la trappe, je me suis dit au début, je vais utiliser Cloud Supply. Donc, je vous montre juste l'interface de Cloud Supply, qui fait partie des Play Series dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le fait d'avoir deux sources qui fonctionnent ensemble, qui est vraiment dédié à la trappe. On peut faire d'autres choses avec, hein, bien sûr, mais voilà, c'était ça au départ de la conception. J'ai hésité avec Lofi Glow pour avoir un son un petit peu lo-fi, mais honnêtement, ça ne fonctionnait pas, donc je suis resté sur Mallet Flux. Alors, voyons ensemble un petit peu Mallet Flux. Ce que j'ai utilisé et quelques trucs. Donc, Mallet Flux, Mallet pour instrument à mailloche, et Flux parce que en fait, il y a beaucoup de mouvements puisque c'est des systèmes d'arpégiateurs. Moi, je n'ai pas utilisé d'arpégiateur ici, parce qu'on retrouve les sons sans arpégiateur, mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est plutôt intéressant et il y a une petite particularité. Alors, voilà, je vais prendre celui-là. Le principe, c'est qu'on a plusieurs instruments qui sont empilés. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux vibraphones, un marimba, un xylophone et deux marimbas. Et vous voyez à côté, ici, on a un petit step séquenceur qui détermine à chaque fois que l'instrument va jouer et avec quelle intensité. Donc, avec la petite colonne qu'on voit ici, hein, sur l'axe des Y, comme ça, plus c'est élevé, plus l'intensité, la vélocité de la note jouée, va être importante. Donc, ça fait ça. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est une des rares banques de sons dans lesquelles j'ai vu ça, c'est qu'on a des choses qui tournent avec des mesures asymétriques. C'est-à-dire que là, on est à 5-8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est quelque chose qui est assez rare et ça finit toujours par retomber sur ses pattes, même si on est dans une mesure symétrique, mais ça peut être intéressant d'utiliser ça aussi comme ça. Donc, moi, j'ai pris ça sans système d'arpégiateur. Alors, je vais aller dans mes favoris pour retrouver la chose plus facilement. Voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé, tout simplement. Voilà, tout simplement ce son-là, vous avez vu, il y a quelques timbres qui ressortent quand on joue un petit peu plus fort avec des vélocités plus élevées. Et pour lui donner une couleur qui aille avec le reste, une couleur d'ensemble, j'ai rajouté un petit effet que j'aime bien, c'est Replica. Voilà, Replica qui est un délai, mais que j'utilise ici plutôt comme un effet créatif avec le preset Autopad qui me donne justement donc du coup un son un petit peu plus entretenu. Alors je vais l'allumer pour que ça fonctionne. Voilà, on a ce petit halo sonore autour, hein, qui vient enrober tout ça, qui est plutôt pas mal. Donc on réécoute dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire en transition. J'avance un petit peu. Et donc là, c'était la première partie avec de la rythmique. Donc je me suis dit, il faut que j'aille sur un truc un peu caractéristique trap. Donc j'ai pensé évidemment machine. J'ai la micro qui est là. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu ce qui était proposé en termes d'expansion autour de la trappe, justement. Vous savez, les expansions, c'est des packs de sons qui sont vraiment dédiés à un style. Et donc, Lockdown Grind, que j'avais déjà utilisé d'ailleurs, et t'es tout à fait adapté pour ça. Vous auriez pu aussi, on peut aussi utiliser Pure Drip, par exemple, ça fonctionne très bien. Donc, j'avais besoin d'un kick tip, d'une snare un peu pitché, et puis voilà, j'avais mon charlet ici avec le charlet qui roule en note repeat. Voilà, donc ça c'était parfait. Dans la réalité, ça s'est pas vraiment passé comme ça et je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je vais chercher l'expansion qui me fait plaisir. En l'occurrence, ici, j'aurais pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, aller vers Pure Drip, mais non. Je vais aller vers Lockdown Grind. Je préécoute mes presets et j'ai pris le Crypt Kit. Voilà, celui-là me plaisait bien. Donc j'ai une idée déjà de comment il sonne. Je le charge avec les patterns, je prends 30 secondes pour écouter les patterns et je récupère celui qui me plaît le mieux. Donc celui qui me plaisait le mieux, c'était celui-là. Voilà. Donc, ce pattern-là,
J'aurais pu le laisser dans Machine, faire tourner Machine en synchro avec Logic, ça fonctionne très bien. Moi, je préfère avoir les patterns directement dans l'arrangement. Donc, ils sont ici. Donc, il y a une petite manip à faire qui est super simple. Je vous la montre très vite. On fait un clic droit sur le groupe ici, dans Group MIDI Batch Setup. On va mettre Sounds to MIDI Note au lieu de Sounds to MIDI Channel pour éviter que donc les notes MIDI émettent sur des canaux différents, mais plutôt sur des hauteurs différentes. Voilà, donc ça, c'est le premier truc à faire, donc facile. Deuxième chose à faire ici, aller dans les propriétés des canaux au niveau du groupe, du input, donc canaux, groupe, input. Et ici, je passe, au lieu d'être sur off, je passe en mode drum kit. À partir du moment où j'ai fait ça, je vais pouvoir faire un drag and drop de mon MIDI avec ce petit symbole ici. Voilà, et je fais un drag and drop direct dans la fenêtre ici. Je lui dis qu'il n'y a pas besoin de suivre le tempo parce qu'il suit le tempo tout seul. Et j'ai directement mon pattern dans l'arrangement. Alors, si je n'ai pas envie de m'embêter à faire tout ça, si la manip vous paraît trop compliquée, vous avez aussi la possibilité de prendre ici le petit symbole et d'aller faire un drag and drop justement de votre pattern en audio. Voilà, ça va donc créer ici une piste audio avec le pattern. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, moi, j'ai mes patterns qui sont déjà en place. Après, on peut faire un peu de nettoyage, repositionner des choses. On n'oublie pas d'éteindre le pattern. Et comme ça, tout le monde va tourner ensemble. Et donc, pour être à fond dans la trappe, il manquait quelque chose typé un peu 808. Et il y avait une 808 dans ce kit, je crois. Enfin, je suis plus certain, mais bon, il me semble que oui. Toujours est-il que moi, j'avais envie d'utiliser un son que j'avais déjà mis de côté, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans Massivix. Donc, Massivix, c'est évidemment un instrument virtuel qui fait peur, un petit peu, en général, quand on l'ouvre, parce que c'est vrai qu'il est chargé, il est riche, et justement, il nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais bon, vous avez tellement de presets que c'est déjà assez complet pour en général trouver ce dont on a besoin. Et puis, il y a plein de petits paramétrages qui sont assez sympas. Et donc, je vais vous montrer justement comment j'ai fait avec ça. Donc, je voulais un son typé 808. Donc là, j'étais servi, hein, c'est parfait. Il y a le petit mouvement de pitch au début. Je voulais que ça glide un petit peu. Et donc, je me suis rendu compte que sur les macros, j'avais du glide ici. Voilà. Donc, je pouvais gérer mon glide, voilà. Et les macros ici, vous les retrouvez bien sûr à l'écran, et donc ça vous permet un petit peu, c'est quand même assez clair, on voit le type de son, le glide, la fréquence du filtre, etc., la résonance. Et il y a un truc que j'ai découvert cette semaine. Ici, quand on passe sur le numéro de la macro, on voit à quoi elle se rapporte. Vous voyez que ça s'affiche ici en rouge comme ça. Donc, je ne me souvenais pas d'avoir vu ça plus tôt, mais c'est super pratique. Donc là, en l'occurrence, je savais que le glide, si je voulais l'affiner, hop, c'était ici. Donc, je peux aller régler. La deuxième chose que je voulais pour cette basse, c'est lui donner un peu de drive pour qu'elle soit un petit peu plus sale. Et donc, j'avais tout de suite pensé à mettre Dirt. Un Dirt qui, comme son nom l'indique, était fait pour donner ce petit côté un peu plus sale. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, comme dans beaucoup de sons, il y a des choses qui sont câblées direct sur les molettes de modulation. Je vous suggère de toujours essayer, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et justement, j'avais mon petit drive direct. Alors, c'est pas vraiment du drive à proprement parler, c'est ce qu'on appelle de la modulation de phase. Je vais pas rentrer dans les explications, mais en gros, c'est un oscillateur qui module un autre, un peu à la manière de la synthèse FM, par exemple. Et donc, j'ai ma basse. On écoute. Voilà. Voilà, j'avais besoin de ce son qui va aller pouvoir me permettre de faire la transition, parce que j'avais besoin de plusieurs choses. J'avais besoin d'un son qui puisse matcher avec le côté trap, d'un son qui puisse aussi fonctionner avec la suite, c'est-à-dire dans quelque chose plutôt pop, songwriting, ce genre de choses. Et justement, noir, c'est un piano, mais qui est très 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 polyvalent, qu'on trouve dans tous les styles musicaux ou presque.
Et j'avais besoin aussi de briser le côté loop qu'on a depuis le début. C'est pour ça qu'il y a toute une section centrale là-dessus où je joue du piano beaucoup plus librement. Donc j'ai déjà fait un tutoriel complet sur noir, hein. Vous pouvez le regarder, comme ça vous le verrez plus en détail. Nous on va le voir un peu plus en surface et on va voir l'essentiel de ce qu'il y a à l'intérieur de noir. Donc hop, je vais avancer un petit peu, voilà. Et dans noir, j'avais envie d'utiliser les caractéristiques de cet instrument, c'est-à-dire le moteur de particules qu'il y a derrière qui donne ce petit son que vous allez entendre. Vous entendez un petit halo sonore autour. Donc, je suis parti d'un preset qui s'appelle Frozen Strings, que je vous fais écouter. Vous entendez ces petites résonances à la fin. Donc, c'était pas exactement celles que je voulais, elles sont vachement plates ces résonances, je voulais quelque chose qui rebondisse un petit peu plus. Alors, le système est simple, hein. C'est, on va ici dans le troisième onglet, tout ce qui concerne les moteurs de particules, et on peut choisir comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que le principe des particules, c'est simple, c'est qu'on a des objets. Donc là, c'est des balais, les balais de batterie, vous savez, avec le petit bout métallique, les mailloches, par exemple, des timbales ou des xylos, vibra, etc., qui vont aller frotter ou frapper les cordes. Et donc ça, ça passe dans des algorithmes. Après, ça se répète, ça change de hauteur et ça donne ce petit halo sonore autour. Donc on peut ici régler la quantité que l'on souhaite. Et moi, je voulais simplement ce petit son pour que ça soit un peu moins un piano standard. Voilà. Donc le réglage de base du Frozen Strings, c'était avec ici l'effet Psalteri qui donne ça. Voilà, mais ça s'en mêlait un petit peu tout, ça ne me plaisait pas, donc j'ai remplacé par Brushed Pattern. Voilà. Alors, ce qui est vachement bien dans noir, c'est que juste en tournant les boutons Color et Tonal Shift, on peut avoir des sons radicalement différents. Vous voyez que juste, voilà, avec ce paramètre-là ou celui-là, vraiment, on peut aller vers des choses très très variées. Et puis, il y a un autre truc que j'aime beaucoup, et là j'en ai profité au maximum, c'est toute la partie sub ici, pour avoir un grave qui soit assez rond. Il y a une captation spécifique du grave qui a été faite. Donc, au moment où je descends dans le grave, on entend bien cette rondeur, et ça donne une épaisseur au son qui est assez agréable. Vraiment quelque chose d'assez profond. J'enlève. Et avec. Voilà, c'est vraiment plus charmant comme ça. Et vous me voyez tourner un petit bouton parce que effectivement dans toute la partie finale qui va être plutôt orientée électro-pop, chill, ce genre de choses, eh bien j'ai plus besoin de ces résonances parce que ça aurait été super moche. En tout cas, j'ai testé, mais ça fonctionnait pas très bien. Voilà, ça aurait pas marché du tout comme ça, donc simplement, avec cette macro-là, j'éteins. Donc, en fait, ce son, il me sert vraiment à faire la transition d'un style à un autre, en proposant un style différent au milieu. Et puis c'était important aussi de briser un peu le côté systématique qu'on a au début des loops qui s'empilent avec des sections vraiment qui se stoppent et qui s'enchaînent juste par un petit tour de passe-passe, une articulation au milieu. Donc là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus libre, donc c'était le piano, c'était royal pour ça. Et donc maintenant on arrive sur la dernière séquence effectivement avec cette petite chose que je viens de vous jouer là, qui va constituer toute la fin avec une petite accélération, etc. L'idée que j'avais derrière la tête, c'était un truc un petit peu petit biscuit, Sunset Lover. Et j'aurais pu, pour toute la partie rythmique, prendre effectivement Machine à nouveau, mais je ne l'ai pas fait pour une raison bien précise que je vais vous montrer là, c'est que bon, j'avais déjà un kit plus ou moins prêt que j'avais déjà utilisé et que j'ai réutilisé. En fait, c'est des samples qui viennent de plein d'expansions de la Complete 13, plein d'expansions différentes hein, que vous trouvez dans la Complete 13. Et plutôt que de les mettre dans Machine, je les ai mis dans le sampler de Complete Control. Donc, dans Complete Control, on a un sampler, comme dans Machine. On a un plugin audio, comme dans Machine. J'ai utilisé les deux là, je vais vous expliquer pourquoi.
Le truc, c'est que quand on charge un sample dans le sampler, il est jouable sur toute l'étendue du clavier. Donc ça me permettait de choisir exactement le timbre que je voulais. Par exemple, le sample d'origine, il est sur cette note-là, si ma mémoire est bonne. Et moi, je voulais justement qu'il ait un timbre un petit peu plus pâteux. Donc, je l'ai transposé d'une octave et ça fonctionnait très bien. Pareil pour les snaps. Voilà, donc pour avoir l'effet snap qui soit un peu naturel, eh bien, en étant sur le clavier comme ça, je peux jouer plusieurs hauteurs en simultané et faire des variations, que ce ne soit pas un simple snap qui claque simultanément. Donc, c'est faisable évidemment dans Machine, mais là, j'étais avec mon clavier, c'était beaucoup plus simple et j'ai préféré faire comme ça. Et le dernier, il est dans un plugin audio. Donc, le plugin audio qu'on a dans Machine et qu'on a aussi dans Complete Control, ce qu'il a de très pratique, c'est qu'il permet, lorsqu'on met un son, une boucle en l'occurrence ici, de faire en sorte qu'il suive le tempo. Il a une certaine durée fixe en nombre de mesures ou en nombre de temps. Et donc, quel que soit le tempo, il va suivre le tempo. Et comme toute ma dernière partie accélère, j'étais obligé d'avoir ça. C'est-à-dire le plugin audio qui me permet de suivre le tempo en permanence. Voilà. Donc, pour donner la couleur qu'il fallait pour ce style musical, j'avais besoin, sur le shaker, de mettre un effet de sidechain qui aspire un petit peu, qui compresse la dynamique du shaker pour justement faire l'effet typique que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire que j'ai mis tout simplement un compresseur, le compresseur de Logic pour aller vite, hein, sur mon shaker. Et en entrée du compresseur, dans le sidechain, je lui ai dit que c'était le kick qui allait déclencher la compression. Donc le système est simple, à chaque fois que le kick tape, il envoie l'information au compresseur de se déclencher. Le compresseur compresse la dynamique, donc on a un petit peu moins de dynamique, un petit peu moins de niveau de fait sur le shaker. Et puis quand le kick ne joue plus, le compresseur se relâche et donc ça revient au son de départ. Donc ça donne cette petite chose-là si on écoute juste cette section avec les drums. Vous entendez que le shaker il est aspiré à chaque fois. Si jamais j'enlève le compresseur, ça fait ça. Voilà, donc là j'avais une rythmique un peu caractéristique. Alors pour tout vous dire, j'ai hésité à un moment parce que j'étais parti dans les nouveautés. Donc dans les nouveautés de la Complete 13, on a Budge Vig. Hein, donc Budge Vig qui est vraiment, Budge Vig c'est Nirvana, donc c'était un son plutôt orienté rock, voilà, donc bon ça fonctionnait pas très bien ici, j'ai testé, mais c'était pas convaincant. Du coup je suis resté sur ce kit un petit peu hybride qui se balade entre plusieurs expansions, j'ai pris des samples et voilà, je les ai fait un petit peu à ma façon. Donc, qui dit son à la petit biscuit un petit peu dit une guitare, et donc j'avais le choix entre deux guitares qui proposent un jeu mélodique, parce que là je voulais pas de strumming ni d'arpège ni ce genre de choses, je voulais pouvoir jouer la mélodie, c'est juste un petit riff en fait. Et bon, la Pict acoustique en guitare acoustique ça fonctionnait pas vraiment, donc je suis resté sur l'Electric Sunburst Deluxe, pour lequel j'ai fait un tutoriel aussi si vous voulez tout savoir ou presque sur l'Electric Sunburst Deluxe. Donc, je l'ai utilisé assez basiquement, juste pour me faire ma petite mélodie. Voilà, d'accord, donc elle fonctionne très bien en mélodique, elle fonctionne très bien aussi en pattern, on peut faire plein de choses avec. Mais comme j'avais envie de tester Guitar Rig 6, du coup j'ai totalement enlevé tout ce qui était ampli et FX à l'intérieur d'Electric Sunburst Direct et j'ai mis tout ça dans Guitar Rig pour vraiment voir un petit peu ce que je pouvais faire avec et comment ça s'organisait. Et du coup, j'ai utilisé les nouvelles modélisations d'ampli que vous reconnaîtrez avec le petit logo ICM ici. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait accès maintenant directement dans Guitar Rig à tous les plugins qu'on pouvait mettre en insert, qu'on peut toujours mettre en insert, hein, qui sont dans la Complete aussi. C'est-à-dire le Solid EQ, le Solid Bus Comp, les VC2A, VC160, etc. Et puis on a même Roam que j'ai utilisé au début. Donc ça fait ce petit son. Et j'avais besoin aussi d'avoir cet effet de pompage de sidechain sur tous les temps. Donc la flemme de mettre le compresseur, de remettre tout le routing en place, j'ai simplement mis le One Knob Pumper de chez Waves. Voilà, qui fait le travail directement. Qui fait ça donc si on met tout le monde ensemble. Vous sentez que ça accélère petit à petit.
Et j'avais dit qu'en filigrane de ce morceau, il y aurait toujours quelque chose qui nous rapproche, qui nous rapporte à des instruments acoustiques et à des instruments de l'orchestre symphonique le plus large, philharmonique, le plus large possible, depuis la voix jusqu'aux instruments à percussion. Et donc là, c'était le moment d'utiliser des cordes. Alors, pour utiliser les cordes, évidemment, tout de suite, vu que j'étais dans la Complete 13 Collector Edition, j'avais accès à tout ce qui est Symphony Series. Sauf que, quand j'ai mis les Symphony Series, comme c'est du gros orchestre, ça ne matchait pas du tout avec le reste, parce que c'est trop épais pour que ça fonctionne. Et il manquait, dans la Complete 12 et même avant, des instruments solistes au niveau des cordes. On avait des bois solistes, on avait des cuivres solistes, on avait des percussions solistes, mais on n'avait pas de cordes solistes. Et là, donc depuis la version 13, on a des cordes solistes sous l'appellation Cremona Quartet. Donc Cremona Quartet, c'est un quatuor à cordes qui a été enregistré à Cremona, tout simplement, et qui comporte deux violons, un alto, un violoncelle. Donc un violon Stradivarius, un deuxième violon qui est un Guarnerius, ce sont que des instruments d'exception. Voilà, qui ont été samplés très précisément. Et on a un alto Amati et on a un violoncelle Stradivarius. Alors moi, je n'utilise pas tous les quatre, parce que j'avais droit qu'à 13 presets, donc ça aurait fait 14, du coup ça ne marchait pas. Du coup, de toute façon, je n'avais pas besoin de deux violons, donc j'ai enlevé un violon, du coup j'ai gardé que le violoncelle, l'alto et le violon qui vont rentrer les uns à la suite des autres. Donc je vais vous les présenter vite fait, parce qu'en fait, ils fonctionnent tous les trois de la même manière, et comme j'ai fait aussi un tutoriel sur le Stradivarius, vous pourrez avoir tous les détails là-dessus, vous verrez, ils fonctionnent tous de la même manière. Donc si on prend le violoncelle, qui va faire quelque chose comme ça. Voilà, donc le système est simple, c'est-à-dire qu'on a accès à toute une batterie d'articulations différentes, avec trois petits points ici, voilà, vous les choisissez. Vous en avez plein, moi j'en ai pris une ici qui est le sautillé, c'est-à-dire c'est un détaché assez léger qui fonctionne bien ici. Et donc, toutes ces articulations sont accessibles via les key switches qui sont là. Donc, les key switches, c'est tout simplement des touches du piano qu'on dédie à un changement d'articulation. Donc, par exemple, si je veux passer en mode virtuoso, que je vous expliquerai juste après, qui est un mode un peu legato, eh bien, j'appuie sur cette touche, sur le do grave ici. Voilà, et j'ai du legato. Moi, en l'occurrence, ici, je voulais mon sautillé. Voilà, donc ça fonctionne très bien pour ça. Alors, les puristes me diront qu'effectivement au violoncelle ça c'est pas jouable, et je leur dirai qu'effectivement c'est vrai. Simplement l'audio numérique, ça nous permet de faire des fois des choses qui sont pas faisables en vrai. Alors faut se méfier, parce que effectivement l'idée pour qu'un son sonne réaliste, il faut plutôt faire les choses qu'il est capable de faire. Mais on va se dire que moi j'ai deux violoncelles ici, voilà, j'ai pas fait deux instances de Stradivarius, mais j'ai fait qu'une seule instance, mais je joue l'équivalent de deux violoncelles. Et donc pareil pour l'alto, vous voyez, c'est exactement la même interface, sauf qu'au lieu d'utiliser du sautillé, j'utilise du spiccato. C'est un détaché un petit peu différent. Avec un timbre un peu différent, c'est le timbre de l'alto aussi qui est différent. Et puis surtout sur toute cette section qui est un petit peu enlevée pour marquer la fin du morceau, il fallait que j'ai un instrument qui vienne un petit peu donner de l'énergie, donner un peu de virtuosité. Et donc évidemment, l'instrument royal pour ça, c'était d'utiliser le violon, que je fais jouer assez virtuose justement comme ça. Voilà, et qui fait ça très bien avec justement le mode virtuoso, qui est la combinaison, l'alliage de plusieurs modes de jeu simultanés pour avoir des effets de legato qui soient assez naturels. Et à la fin, sur le violon, vous me voyez bouger le touch strip ici et la molette ici de modulation, justement parce que, par défaut, la molette de modulation ici agit sur la dynamique. Voilà. Et on a aussi l'accès au vibrato. Avec vibrato, voilà. Il sent. Et donc, à la fin, j'avais besoin de donner effectivement plus d'intensité au vibrato de temps en temps, et puis de changer aussi la dynamique. Et bon, pour des questions ergonomiques, de la manière dont je vous ai, avec laquelle je vous ai montré la manip tout à l'heure,
J'ai câblé, enfin j'ai mappé tout ce qui est dynamique sur le touch strip ici et tout ce qui est vibrato sur la molette de modulation ici. C'est pour ça que j'y vais à la fin du morceau. Et là, vous avez tout ce que j'ai utilisé, donc on va juste réécouter la fin et puis ensuite on passera sur la session live. Vous sentez l'accélération petit à petit. Voilà, donc là, vous avez l'intégralité de la session telle que je l'ai faite. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai fait, les portions que j'ai faites écouter ici et par rapport au live, vous avez peut-être senti des légères différences. Ça, c'est le principe du live, c'est-à-dire il y a des aménagements que j'ai dû faire et puis en live, je ne joue pas toujours exactement la même chose. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir justement dans la session, on boucle la boucle, on revient à la session de départ et justement, on va voir comment... J'ai fait pour que ça soit jouable en live et vous allez voir qu'en fait, c'est pas sorcier. Et donc, je vais enlever machine micro puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. Et on va voir donc la session de live. Alors, en attendant qu'elle se charge, simplement des petites choses à vous dire. La première, c'est que la translation de Logic à live était très simple parce que comme j'utilisais que des instruments de complete control, et jouable via Complete Control, en fait, les presets, je les retrouve de façon totalement identique, que ce soit dans Logic, dans Live ou dans n'importe quel séquenceur d'ailleurs. Hein, donc, pour retrouver mes presets, au pire des cas, si j'avais fait des changements, j'avais juste à les sauvegarder depuis Complete Control et je pouvais les retrouver dans Ableton assez simplement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que bon, le setup était le plus basique, donc j'avais pas de contrôleur supplémentaire, juste le S88 et le laptop, donc j'ai profité de l'intégration du S88 à Live, qui est la même avec Logic, qui est la même avec Cubase, avec Studio One, par exemple. Donc, vous me voyez toujours aller sur le Rec pour enregistrer mes petites loupes. Alors, on peut le faire avec le Rec. On peut le faire aussi avec l'encodeur 4D, ici, simplement en cliquant dessus. Donc ça, ça va permettre, ça va déclencher le Rec à chaque fois à l'intérieur de Live. J'ai préféré le faire là, parce que là, j'avais peur de bouger, puisque justement, l'encodeur 4D me permet de passer d'une piste à l'autre, facilement, et le truc pratique, c'est qu'en plus, ça arme directement la piste. Donc ça y est, la session live est ouverte. Donc comme je le disais, toutes les fonctions principales sont disponibles de la même manière que dans Logic, à l'aide de toutes les touches qu'on a là, le Rec, etc. Et donc, ma session, elle est assez simple. Hein. Je retrouve toutes mes pistes. Alors, 14 et pas 13, parce qu'il y a une piste de tempo qui vient se loger au milieu, parce que j'ai besoin de faire un changement de tempo, et je vais vous expliquer comment je procède. Donc, le truc était assez simple, c'est-à-dire que, par exemple, si je vais sur Straylight, pour enregistrer Straylight, je mettais mon métronome, je rec. Voilà, et donc ma boucle tournait comme ça, et donc j'ai pu empiler les choses les unes sur les autres. Simplement, j'avais besoin, à un moment donné, de pouvoir stopper mes pistes. Donc pour stopper les pistes, j'ai fait un truc très simple, vraiment basique, c'est-à-dire qu'au total, j'ai 6 pistes à stopper. J'ai Straylight et Arkis quand je vais dans le style plutôt trap. Ensuite, j'ai Mallet Flux, Lockdown Grind et Massive X à stopper quand je vais dans la partie avec Noir toute seule. Et puis après, un peu plus tard, j'ai Electric Sunburst à stopper. Donc j'ai mis ça sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mon clavier. Ça, c'est le système du mapping à l'intérieur des affectations de clavier à l'intérieur de Live, j'y reviens pas. Donc en fait, j'avais juste besoin d'une deuxième scène avec un tempo pour le changement de tempo. Donc ici, je me retrouve avec un 100 BPM. Tout le début est à 120 et puis là, je passe à 100. Donc pour passer à 100, j'ai mis ça sur la touche arrobas ici. Vous voyez que dès que j'appuie, hop, ça lance la scène et donc ça bascule mon tempo à 100. La troisième chose, eh bien, c'était de pouvoir, à un moment donné, accélérer. Et alors là, pour accélérer, j'ai cherché plein de trucs dans tous les sens.
Et la meilleure solution que j'ai trouvée, eh bien, c'est d'utiliser un petit plugin de Max4Live, voilà, qui me permet d'accélérer tout simplement en mettant la valeur d'accélération dans le nom du clip. Et donc celui-là, je l'ai affecté à la touche plus de mon clavier, ce qui permettait de déclencher l'accélération. Vous voyez que progressivement, le tempo va s'accélérer de la durée ici de mon clip qui était sur 27 mesures. Et puis bon, j'avais simplement une scène à la fin pour faire un reset de tous mes réglages pour pouvoir répéter, parce que en fait, finalement, la principale difficulté, c'était d'arriver à se souvenir de tout ce que je devais boucler et de comment ça s'organisait. Mais en soi, le setup était vraiment super simple. Donc voilà, je vous ai tout dit à la fois sur la partie compo et à la fois sur la partie live. On a vu quand même pas mal les principaux, les essentiels des instruments virtuels, des nouveaux sons que vous allez trouver dans la Complete 13. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de trucs. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Ciao!